Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Donc tout d'abord, je voudrais te remercier pour ta confiance par rapport au soin d'hier soir. Le soin d'hier soir a été vraiment très très puissant, très très fort en émotion, très très fort en énergie. Je te remercie beaucoup beaucoup de t'être inscrite et inscrite à ce soin. C'était un soin sur les agressions physiques et verbales. Toutes les violences que l'on peut subir depuis l'enfance jusqu'à même adulte, hein, on subit des violences, ça arrive qu'on subisse des insultes, des violences. Les violences sexuelles aussi, les viols, les incestes, etc. Donc je te remercie beaucoup, je vous remercie déjà de m'avoir envoyé des mails ce matin, j'ai eu quelques mails, pour ne pas dire beaucoup, de remerciements et des personnes qui ont déjà trouvé un bien-être dans ce soin, une force, une forme, enfin une force, une énergie différente de ce qu'elles avaient, la pêche quoi, la pêche quoi, voilà, ça vous a reboosté pour certains, certaines, voilà, donc je vous remercie déjà pour ça, et puis maintenant je vais te parler aussi du soin qui aura lieu jeudi, donc jeudi 12 mars, il y aura un soin énergétique sur couper les liens toxiques, donc si tu connais des personnes qui te polluent, qui passent leur temps à venir te parler, que tu n'oses pas dire non, parce que là, les liens toxiques, c'est quand on se laisse polluer, c'est qu'on n'a pas, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire bon, mais écoute, là maintenant, j'ai pas le temps aujourd'hui, tu viendras te plaindre une autre fois. Les gens pollueurs, ce sont les gens qui se plaignent toute la journée, qui vous critiquent, qui voilà, ce sont ça les liens toxiques. Et ça peut être aussi une situation toxique qui vous pollue, c'est-à-dire être obligé d'aller quelque part et de supporter les sarcasmes d'une situation. Donc, inscrivez-vous à ce soin si vous voulez pour couper les liens toxiques de toutes ces personnes ou situations. Je vous enverrai le mail de déroulement du soin. Je demande une petite participation libre, chacun donne ce qu'il veut en conscience suivant ses moyens. Voilà, je vous remercie de votre confiance. Je continue les soins. Je suis très très encouragée par tous ceux et celles qui font mes soins. Je vous remercie vraiment vraiment beaucoup. Je referai le soin agression physique et sexuelle le mois prochain. Je pense que je vais le mettre en début de mois. C'est-à-dire qu'il y aura le soin des 7 chakras et ensuite il y aura le soin agression sexuelle. Enfin. Vous voyez, je fais encore le lapsus, agression physique et verbale, je l'ai appelé agression physique et verbale pour ne pas l'appeler agression sexuelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment agressées de ce sens. Donc, merci à tous, je t'embrasse, tu peux liker cette vidéo, la partager à quelqu'un qui aurait besoin de faire ses soins énergétiques à distance. Si tu ne sais pas comment ça se passe, eh bien tu m'envoies un mail, surtout tu m'envoies un mail, je mets mon mail sous la vidéo, tu m'envoies un mail et je t'explique tout comment ça se passe. Voilà, et puis je t'embrasse et je te dis, je t'embrasse de... Parce qu'à travers la vidéo, on ne peut pas attraper le coronavirus. Voilà, donc voilà, faut arrêter la psychose aussi là, mais bon, bref, je t'embrasse et je te dis à bientôt.